béni pour toujours. Je salue tous les serviteurs de Dieu qui sont ici, au nom de Jésus-Christ. Et je salue toute l'Église au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je sais qu'il fait chaud. Et je crois aussi que le Saint-Esprit sait qu'il fait chaud. Alors, nous nous abandonnons à notre sommeil pour qu'il puisse nous conduire. Afin que tout marche correctement. Et que chacun soit en mesure d'écouter quelque chose. Nous allons nous lever. Et nous allons prier le Seigneur. Avant de lire la parole de Dieu. Prions le Seigneur. Père bien-aimé. Tata Molingami. Nous te sommes reconnaissants ce matin. Parce que nous savons que tu es ici présent. C'est toi qui nous as dit cela de ta parole. Et dès que vous vous réunissez à mon nom, je suis au milieu de vous. Seigneur, tu connais le cœur de chacun tel que nous sommes ici. Tu connais le besoin de cette église, ô Dieu Tout-Puissant. Tu connais le besoin de l'épouse à travers le monde, ô bien-aimé Père. Car l'épouse doit se nourrir de la même parole. Il n'y a pas un message particulier pour l'épouse d'ici. Un autre message particulier pour l'épouse qui est ailleurs. Nous croyons que c'est l'épouse de Christ qui est en train d'être préparée maintenant. Et nous faisons partie de cette épouse. Bénis-nous ce matin, Père bien-aimé. Et parle-nous, Seigneur notre Dieu. Nous avons besoin, Seigneur, d'entendre ta voix et ta voix seule. Accorde à chacun l'entendement spirituel, Seigneur. Que l'esprit des distractions puisse quitter cette église. Que chacun soit concentré à toi, Seigneur. Que nous ayons les yeux fixés sur le calvaire, ô bien-aimé Père. Afin que tu puisses nous parler, Seigneur notre Dieu. Afin qu'en sortant d'ici à la fin, que chacun dise que j'ai été dans la présence de Dieu. Et nous te prions, Père, qu'il n'y ait personne, et alors personne, Seigneur, qui est en train de t'écouter ce matin et qui sortira de cet endroit tel qu'il était entré, Père bien-aimé. C'est toi qui changes l'homme. C'est toi qui nous parles pour nous transformer, Seigneur. Ne laisse pas ta parole sortir en vain, Seigneur notre Dieu. Mais prépare le terrain pour que la semence puisse tomber sur la bonne terre et qu'elle puisse produire des fruits, Seigneur notre Dieu. Bénis la parole que nous allons lire. Ouais, Seigneur notre Dieu. Autre prédicateur du chemin, Seigneur. Nous n'avons pas besoin de sa pensée. Nous n'avons pas besoin de sa parole. Il n'a rien à nous communiquer, Seigneur. Nous voulons que toi, notre Père, tu puisses nous parler, Seigneur. Pas l'homme, Seigneur notre Dieu. Nous voulons t'écouter, Seigneur. Car c'est toi qui nous as visités dans ces temps de la fin. Ce n'était pas un homme qui nous a visités, Seigneur. Mais si, laisse que le même Saint-Esprit qui a parlé à travers William Ayon Branham puisse parler maintenant, ô Dieu, car les vases sont différents.
Mais le Saint-Esprit est le même. Nous nous confions à toi, Père. Et nous nous attendons à toi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien, tel que nous sommes debout, nous allons lire la parole de Dieu. Nous ouvrons nos Bibles dans Éphésiens chapitre 3. Toko fungola ba Bible na biso na ba Éphèse mon capo ya misato. Éphésiens chapitre 3, nous lisons à partir du verset 14 jusqu'au verset 19. Mon capo ya misato toko banda anzela zomi na minei kino zomi na libwa. Nous lisons la parole de Dieu. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, à sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Bonatina oyo, nadali kogumba mabongo nangai liboso na tata. Oyo mabotanyo sona likolo pena se mazui kombo utanaye. Pila moko ezali bozwi na kembo na ye ete alendi sanguya katikati na bino na nzela na molimo. Ete Kristo afanda na mitema na bino na nzela na kondima. Na bongo awa esili bino kopalanganisa misisa na bino kati na bolingo. Peko tongama likolo na yango lokola moboko. Boye bakososola esika moko na babula minyoso. Monene pe molai, pe bozindo, na bolingo na Kristo. Ee, koyoka yango oyo eleki boye bipenda, ete botonda na litondi na zambe mobimba. Allons encore dans Colossiens chapitre 1er. Tongene suna ba Colosse mokapali boso. Colossiens chapitre 1er, nous lisons à partir du verset 24 jusqu'au verset 27. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève à ma chair pour son corps qui est l'Église. Nazali kotondisa bizangeli na pasi na Kristo kati na mosuni na ngai pona nzoto na ye yango lingomba. C'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ces mystères parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Nasili kokoma mosaleli na Ecclesia, Nzambe ya pesinga ilotomo na koyebisa bino polele liloba na Nzambe. Liloba yango ezali likambo libomba makikalakala na miso na mabota nyoso, nde sasa ipi limonani epai na babula mina ye. Nzambe alingaki koyebisa bango motindo na misolo na kembo, na libomba mi oyo kati na bapagano, libomba mi yango ezali ete, Kristo kati na bino elikia na kembo. Que le Seigneur bénisse sa parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous pouvez vous asseoir là où vous êtes. Ikakola pambola lilubane na komuna kole Jésus-Christo boko kofanda moto na moto epai ya zali. Que ceux qui sont debout restent debout si vous n'avez pas l'occasion de vous asseoir. Boye ba telemi botika la kotelema soki bozuili bakuya kofanda te. Et notre bien-aimé pasteur Albert Kitisa de Botika vous a salué au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pe molinga mi na biso mokengele Albert Kitisa ya Botika apesi biso mbote na komuna kole Jésus-Christo. Et si le Seigneur le permet, le mercredi, je ne serai pas avec vous ici. On nous a parlé d'une église qui a commencé au camp Kokolo.
Alors, je voudrais y aller pour voir cette église-là, comment elle se présente. Bien. Nous voulons maintenant parler des affaires de notre Père. Je voudrais vous donner un petit conseil avant de commencer. Que chacun de vous se dise, ce que Dieu a préparé pour moi, je veux le recevoir dans 5 minutes pendant que le pasteur a parlé. Et que l'autre dise, en tout cas, pendant 10 minutes, je veux recevoir ce que Dieu m'a préparé pour moi. Si vous recevez et que vous voulez dormir, alors dormez, il n'y a pas de problème. Mais tant que vous n'avez pas encore reçu, restez éveillé, continuez jusqu'à la fin. Kati, ce qui n'a nos yeux en côté. Que les plus forts se disent, en tout cas, je vais suivre le pasteur dès le début jusqu'à la dernière minute. Bilombe, baloba angai na kolanda pasteur, bandaka ke bandeli kino na minute ya suka. Ce matin, nous allons parler d'un petit sujet qui est petit mais qui est grand et qui est profond. Na tonga na lelo to koloba likolo ya lité ya moko amuke, eza lité ya moko eza muke kati eza na buzindo mingi. Nous allons parler sur le grand secret mystérieux qui était dans la pensée de Dieu. Le secret qui a toujours été en Dieu depuis qu'il est Dieu. Et c'est un grand mystère. Et le prophète nous a dit que ce secret nous a été révélé dans ces temps de la fin. Parce que s'il ne peut pas nous révéler ça maintenant, il ne nous le révélera plus. Parce que c'est par un prophète qui nous révélera ses secrets. Mais je voudrais vous rappeler un peu ce que nous avons vu le vendredi. Nous avons parlé de ce que le prophète a prêché sur être conduit. Et nous avons dit que l'autre vendredi, on avait parlé ici d'un guide. Dieu lui-même, il est Dieu parce qu'il conduit. Et il a le désir de conduire. S'il ne conduit pas, il n'est pas content. Il n'est pas à l'aise. À tout moment ici, il est en train de conduire son peuple. Il ne peut pas s'arrêter à conduire. Si vous ne voulez pas être conduit par Dieu, il va conduire les bêtes des champs. C'est pourquoi Jésus a dit, si vous ne voulez pas que ces gens me glorifient, m'adorent, m'honorent, alors Dieu va susciter ces pierres ici que vous voyez. Et ces pierres vont commencer à crier. Oh, gloire à Jésus-Christ. Vous savez que la Bible dit que nous étions sans Dieu, sans Christ dans ce monde. Et que le peuple juif nous considérait comme des gens, des chiens, si vous voulez bien. Dieu ne nous connaissait pas. Nous étions vraiment perdus. Mais Dieu a dit, si vous ne voulez pas que les Juifs m'adorent, je veux susciter les pierres pour m'adorer. Les gens que vous appelez les gens des nations, des gentils, ils vont m'adorer. Et aujourd'hui, ceux qui adorent Dieu dans les nations sont plus nombreux que les Juifs. Et la Bible dit que nous sommes des pierres vivantes. Alléluia. Alléluia. Pour construire un tabernacle vivant. Et
Et nous sommes en train d'adorer le Seigneur. Dieu a besoin des gens qui veulent être conduits. Si vous voulez être conduit, Dieu vous conduira. Mais nous avons vu que chaque jour, à chaque instant, l'homme doit être conduit. Ou bien tu te conduis par toi-même, ou bien tu es conduit par le diable, ou bien tu es conduit par Dieu. Mais parce que tu es un enfant de Dieu, il y a besoin d'être conduit par Dieu. Et accepte d'être conduit par Dieu. Et nous avons vu que ne sont conduits que ceux qui sont prédestinés à être conduits. Alléluia. Alléluia. Si Dieu ne t'a pas prédestiné à être conduit, tu ne seras plus jamais conduit. Du moins, Dieu ne te conduira pas. Dieu ne conduit que ceux qui ont été prédestinés à être conduits. La révélation spirituelle ne peut être donnée qu'aux enfants de Dieu. La semence de Caïn ne peut jamais recevoir la révélation spirituelle. Elle n'a pas de part à cette révélation. Mais elle peut adorer Dieu. Elle peut chanter. Elle peut louer Dieu. Elle peut dire que Dieu existe. Mais jamais Dieu ne lui parlera. Dieu ne fait même pas attention à elle. Parce que pour Dieu, c'est comme s'il n'existe pas. C'est pourquoi il est dit qu'Abraham, notre père, considérait tout ce qui est contraire à la parole de Dieu comme n'existant pas. Et vous, comment vous considérez les choses qui sont contraires à la parole de Dieu? Vous, comment vous considérez les choses qui sont contraires à la parole? Que cela existe? Non. Les choses qui sont contraires à la parole. Même une femme mal habillée, c'est contraire à la parole. Elle n'existe pas. Ni la regarde même pas. Elle n'existe pas. C'est contraire à la parole de Dieu. Frère, si nous suivions la parole, si nous voyons les choses selon la vision de Dieu, il n'y aurait même pas de problème au milieu de nous. Quelqu'un qui commence à sortir de la parole, il disparaît. Il n'existe pas. À moins que Dieu lui fasse grâce et qu'il t'envoie pour aller le chercher dans les ténèbres. Mais alors, va le chercher dans les ténèbres. Mais s'il n'est pas dans la lumière, je ne le vois pas. Je ne le vois pas. Et je ne parlerai pas des choses qui sont dans les ténèbres. Je ne parle que des choses qui sont dans la lumière. Alléluia. Alléluia. Parce que moi-même, je suis la lumière. Qu'est-ce que j'ai à faire avec les ténèbres? Qu'est-ce que vous avez à faire avec les ténèbres? Vous êtes les enfants de la lumière. Parlez des choses qui sont dans la lumière. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Laissez les ténèbres loin de vous. Vous êtes dans la lumière. Demeurez dans la lumière. Si vous voyez les ténèbres qui commencent à entrer dans la lumière, alors allumez votre lumière. Oh frère et soeur, au cours de la semaine, il y a ces cœurs ou ces cantiques qui me revenaient. Que mon ingapelisa mwindanayo, mosusu alayo, mon ingapelisa. Écoutez maintenant ce qui m'est arrivé.
Au lieu maintenant de chanter Moninga Pelisa Mwindanayo, parle, parle à toi-même. Kalumbu Pelisa Mwindanayo, Mosengo Alandayo. Kalumbu Pelisa Mwindanayo, Baruti Alandayo, Alanda, Alandayo. Sendo pelisa mwindanayo landu alandayo. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus Christ. Kembo Yesu Kristo. Mon frère et ma soeur. Ndeko na mobali ya mwasi. Pelisa mwindanayo. Alim ta lumière. Ndeko na yo alandayo. Que ton frère te suive. Même s'il est dans les ténèbres. Qu'il voit ta lumière et te suive. Amen. Oh my. Alléluia. Alléluia. Oh, gloire à Jésus Christ. Oh, Dieu. Dieu. Que Dieu soit béni, mes frères et sœurs. Nous sommes presque à la fin. Le Seigneur Jésus revient bientôt. Frère. Bandeko. Débarrassez-vous de tout ce qui est du monde. Longo amita ngwana nyoso amukili. Et suivez la lumière du soir. Pela na pole apokwa. Soyez le fruit de la lumière du soir. Talambu maya pole apokwa. Et acceptez d'être conduit par le Seigneur. Bendima okamba manakolo. Et nous avons lu dans la prédication Christ et le mystère de Dieu révélé. Peto tangaki nalité ya Christ ali libomba milanzambo emonesami. Au paragraphe 332. Na kama misatu tu misatu na mibale. Il dit que c'est le Saint-Esprit seul. Qui est le révélateur de la révélation divine de Christ. Et il a été dans tous les âges. Souvenez-vous, tous les âges. Donc dans tous les âges, c'est Dieu qui a toujours conduit son peuple. Il pouvait produire des hommes. Mais c'est toujours lui qui conduisait. Bien que Moïse était le conducteur du peuple d'Israël. Mais en fait, ce n'était pas Moïse qui conduisait. Moïse lui-même ne connaissait pas le chemin. Il n'a jamais été à Canaan. Il était né en Égypte. Il ne connaissait pas le désert. Il ne connaissait pas le chemin. Mais la colonne de feu était là. Pour conduire le peuple d'Israël. Cette colonne de feu que vous voyez. Elle est là. Pour vous conduire. Elle est la parole ouinte. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs. Ouvre les yeux. Pour voir la présence de Dieu. Dieu n'est pas en train de travailler pour rien. Ou pour nous faire plaisir. Il nous attire à la parole. Il nous montre le chemin à suivre. Amen. Amen. Ainsi nous devons accepter d'être conduits par le Saint-Esprit. Et au paragraphe 335 il dit, c'est le seul moyen par lequel vous le reconnaîtrait aujourd'hui. Le seul moyen par lequel vous recevrez la triple révélation de Dieu, c'est par le Saint-Esprit. Et le seul moyen pour que cela soit possible, c'est que vous êtes prédestiné à le voir. Si ce n'est pas le cas, vous ne le verrez jamais. Si vous n'êtes pas prédestiné à le voir, vous ne le verrez jamais. Ça, c'est Dieu qui vous parle. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas William Branham. William Branham. C'est Dieu lui-même qui
qui connaît le chemin du ciel. Et il vous dit ce matin, si il ne vous a pas prédestiné à le voir aujourd'hui, vous ne le verrez pas. Faites tous les efforts que vous voulez. Allez à Mangengenge. Priez toute la nuit. Si vous n'avez pas été prédestiné, vous ne le verrez jamais. Alléluia. Mais si vous êtes prédestiné à le voir, restez seulement dans votre chambre. Dieu vous trouvera là-bas. Il viendra là vous rencontrer. Et si vous voulez aller prier dans la forêt, allez-y, il n'y a pas de problème. Mais la chose capitale, que vous receviez la révélation que Dieu vous a prédestiné à le voir dans cet âge. Et là, quand vous avez la révélation, excusez-moi de vous le dire, même si toute l'église est réunie ici, contre vous, cela ne vous ébranlera à rien. Vous serez toujours content. Vous serez toujours à l'aise. Vous serez toujours joyeux. Pendant que toute l'église est contre vous. Alléluia. Ah, quel homme, l'homme le plus heureux. Tout Israël, tous les pharisiens contre lui. Israël Mobimba, pas pharisien Mobimba, pas télémélié. Tous les sacrificateurs. Panganga Nzambenyos. Mais lui, il était heureux. Kasi Atalaka Nesengo. Il était dans la joie. Alakna Saï. Oh, frère et soeur. On est mobile, moi aussi. Le grand secret. C'est qu'elle est à mon aîné. Qui était dans la pensée de Dieu. Oh, elle a qui n'a pas qu'à dire Nzambi. Frère Bwana me dit. Ndeko, Brana Malobi. Que Dieu a déjà placé cela dans le cœur des croyants. Et katina mitema bandimi. Frère, bandeku, ne soyez pas distrait. Cause la pembenite. Parce que c'est la seule chose que Dieu a révélée aujourd'hui. Kak pambatezali kake loko moko nzamba moni silelo. Qui peut vous attirer vers lui? Oye boko benda ye pa na ye. Il faut que Dieu se révèle à vous. Et sengele te nzambe amimoni sana yo. Frère Bana me dit que Adam avait une épouse. Eve. Mais Eve était tombée. Mais Eve était formée par la parole de Dieu. Toi et moi, nous sommes nés de l'homme et de la femme. Nous sommes nés menteurs. Mais Eve. Bongo Ewa. Elle était dans la perfection. Ye benza zaki bo bongi alikamu. Créée par Dieu lui-même. Akelami na loboko ya Nzambe yemei. Engendrée par Dieu. Abotami na Nzambe yemoko. Elle n'est pas née menteuse, non. Abotama mokosite te. Adam n'est pas créé menteur, non. Adam akelama mokosite. Mais la Bible dit. Kasi Bible lobi. Eve est tombée. Ewa akoyaki. Oh frère. Oh ndeko. C'est une grande leçon pour nous. Ezalite ya munene pona biso. Et frère madame continue en disant que Jéhovah a cherché aussi une épouse. Israël. Israël. C'était la femme de Jéhovah. Mais Jéhovah a été déçu. Jéhovah est venu visiter sa femme. Jéhovah est pas na mwasi na ye. Que me voici. C'est moi qui t'ai toujours parlé. C'est moi qui t'ai envoyé des prophètes. C'est moi qui ai envoyé Élie. C'est moi qui ai envoyé, qui a envoyé Moïse. Et tous les prophètes. Ils l'ont rejeté. Donc la femme de Jéhovah est tombée. Israël a renié la parole. Israël a wanga ni liloba. Il lui a été prédestiné. Oyo ebongisama liboso pona ye. Oh frère. Oh, bandeko. Et Jésus-Christ est venu. Paix Jésus Christ aille. Lui aussi a une épouse. Yé Pazaki moi si libala moko. Cette épouse a été manifestée le jour de la Pentecôte. Moi si libala ya moni samaki moko ya kitela ya molimo. Une épouse parfaite. Moi si oya bongi be. Tous ceux qui étaient dans la chambre haute. Bonyo tobalaki na ndako alikolo. Étaient tous remplis du Saint-Esprit. Balaki bango nyoso batonisa mina molimo mosana. Quand ils sont sortis de la chambre haute. Tamba bina chambre haute. Remplis du Saint-Esprit. Batondi na molimo mosana. Alléluia. Alléluia. La perfection. Oyo ebongapi. Une église ça
est semblable. L'église oyo ata nzoloko eloko mabe ezate. Elle est née le jour de la Pentecôte. Et botamaki mokolo ya Pentecôte. Tous les 120 personnes remplies du Saint-Esprit. Bamokama na tumi balé nyoso batondi na molimo musa. Et les femmes et les hommes. Na mbasi na mibali. Le frère Bana me dit, cette église glorieuse est tombée au Concile de Nicée. Oh frère et soeur, oh, de mobali moi, Satan ne pouvait pas influencer ces gens-là. Satan n'a pas eu qu'au à toi, jamais. Ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. Non. C'est le moyen qu'il a trouvé. C'est d'introduire ses propres pions. Et à côté ça. C'est d'introduire ces gens dans la parole de Dieu. C'est d'introduire ces gens dans l'église. Alors, par ces gens, à travers ces gens, il va commencer à influencer l'église. C'est ça que le diable fait. Yango, diable le diable est incapable de séduire un élu. Diabolo, azana makokite ya kopengwisa moponami. Mais il peut mettre quelqu'un à côté de l'élu. Kazakoti ya moto moko pembena moponami. Pour influencer sa vie. Oite, apandaka kotindika bomona ye epai na ye. C'est comme ça que les Nicolaïtes sont nés dans l'église primitive. Bwende makambo ba Nicolaïte botamaki na eklezia ebandeli. Mais ce n'est pas ça notre problème. Kasi yango te likambo na biso. Nous sommes en train de parler du grand secret. Un secret, quelque chose qui est secret. Il était dans la pensée de Dieu. Et Frère Branham l'a toujours répété. Que ce grand secret, Dieu l'a dévoilé en Christ. Et ensuite, il a placé dans l'église. La chose qui nous intéresse ce matin, c'est l'église. Christ était là. Christ il était en Israël. Il a manifesté Dieu en Israël. Tout ce que Dieu était, il l'a déversé à Christ. Et c'est très facile à comprendre. Parce que Christ a manifesté en plénitude Jéhovah. Maintenant, quand on parle de Christ, tout ce que Christ était, il a déversé dans l'église. Ça devient maintenant un peu difficile. Et pourtant, c'est la vérité. Pourquoi c'est la vérité? C'est parce que c'est Dieu qui l'a dit. Tout ce que Dieu dit est la vérité. Ce que Dieu nous demande, c'est seulement de croire. Et ça, c'est la vérité. Ne regardez pas votre condition. Ne regardez pas votre intelligence. Croyez seulement à ce que Dieu a dit. Et ça, c'est la vérité. Croyez à ça. Et vous verrez le reste. C'est pourquoi Marie, connaissant ce secret, il a dit à ces gens, faites seulement ce qu'il vous dira de faire. Faites seulement. Ne raisonnez pas. Posez-vous la question. Marie n'a jamais fait une expérience pareille. Comment il pouvait savoir qu'il y a quelque chose qui va se passer? Marie savait très bien que Jésus n'avait pas d'industrie de vin. Marie a dit que Yesu azalaki na ba bralima ya vignoté. Il n'avait même pas les champs où il pouvait cultiver Azalaki atana bilangate ya kende kolona masango ya kosala. Il n'en avait pas. Azalaki na ngote. Mais quelle folie! Kati. Marie va aller lui demander qu'il n'y a pas de vin. Bole mani ne kama simba Marie ambango ya kende koyebisa Yesu ete vigno ya lité. Comment Marie pouvait lui demander ça? Ndeni Marie apenda kende kotuna Yesu bongo. C'est que Marie connaissait le secret. Marie a il a déjà passé par l'expérience. Ils étaient pauvres. Une famille pauvre. Il pouvait prendre du vin à chaque moment. Ça, c'est moi qui le dis. Comment Marie pouvait se permettre, parmi tous ces gens qui étaient là-bas, les fous qui étaient à la fête? Marie a tout
Elle se met encore debout. Elle tient ses habits. Elle va se pencher. Il n'y a plus de vin. Yesu, vigno yate. Alléluia. Alléluia. Peut-être que Jésus n'a rien dit. Mais lui, elle a compris le message. Katie Maria sosolaki sangu. Et à un moment donné, Jésus a fait le geste. Il a fait le signe. Talisi moi lembo. Ces gens-là sont venus. Batona baye. Ayant déjà reçu les instructions de Marie. Faites attention. Quand il va vous appeler, faites seulement ce qu'il vous dira. Moi, je connais mon homme. Je le connais bien. Faites seulement ce qu'il vous dira de faire. Ne faites pas le contraire. N'hésitez même pas. Ne raisonnez même pas. Quand il vous dit faites ceci, faites seulement ça. C'est ça notre Dieu. Et quand on leur a dit, allez puiser de l'eau, peut-être à l'intérieur, ils ont commencé à s'étonner. Mais l'autre a dit, mais Marie nous a dit, frère. Ah, ndeko. Maria sa yebisa kibiso to sa kobona. Faisons seulement ce que Marie nous a dit. To sala ka Maria lobaki. Voyez comment les miracles peuvent s'opérer. Maman ndene mi kamba ko sala. Dieu peut produire des grandes choses dans votre vie. Maman ndene nzaba ko bota makamine na bomona yo. C'est quand vous croyez seulement à ce qu'il a dit. Na tango ndimi kaka oya lobi. Amen. Amen. Dans les chefs-d'œuvre. Kati na chefs-d'œuvre. Je vais aller rapidement pour ce qui concerne Jésus. Na ke na lombango pano itali Yesu. Et je vais me retarder quand il s'agira de l'église. Dans le Dieu dévoilé, pardon. Au paragraphe 58, il dit ceci. Nous connaissons cette écriture parce qu'on l'a lu beaucoup de fois ici. La chose que nous voulons savoir ce matin, c'est le secret qui était dans la pensée de Dieu. Et qu'il a placé dans l'église aujourd'hui. Au paragraphe 58, il a dit ceci. Il dit, c'est comme ça pour Dieu. Il s'est transformé d'une colonne de feu pour devenir un homme. Ensuite de là, il s'est transformé et il est redevenu un esprit pour pouvoir habiter dans l'homme. Dieu agissant dans l'homme, montrant ce qu'il était réellement. Jésus-Christ, Yesu Christo, c'était Dieu agissant dans l'homme. Elaki nzambe kosala kati na moto. Dans un homme. Kati na moto moko. Dans un homme. Kati na moto moko. C'est ça qu'il était. Dala uya talaki. De la colonne de feu. Alongoi na likonzi na moto. Il s'était transformé. Abongoli lolenge. Et alors il était entré. Na bongo akotaki. Et ça c'était un voile dans le désert. Pe wana ezalaki ezipelo kati na désert. Qui tenait Dieu caché d'Israël. Oye bombaki nzambe liboso na Israël. Moïse a vu la forme de son corps. Mose amonaki lolenge anzoto na ye. Mais en réalité, kati na bosolo, il était constamment caché derrière cette colonne de feu qui était le logos qui était sorti de Dieu. Et dans le chef d'œuvre, il dit ceci au paragraphe 79 à 80. Il dit ceci: l'image parfaite, l'homme de Dieu, Dieu amorphe, il était passé de surnaturel à la vision. Et la vision avait été projetée dans l'image. Et l'image a été frappée pour que le surnaturel puisse goûter la mort.
Le chef d'œuvre parfait de Dieu. Je voudrais que l'Église puisse suivre. Parce qu'il y a quelque chose de surnaturel que nous ne pouvons pas comprendre. Même si Dieu se révélé, on ne le comprendra toujours pas. Je veux que l'Église comprenne quand Dieu parle de Jésus-Christ qui est l'image du Dieu invisible. Que l'Église comprenne que cela ne signifie pas l'image que je regarde de, dans le miroir. Parce que quand je me regarde dans le miroir, cette personne qui est là, c'est mon image à moi. Il ne peut rien faire. Ce n'est pas une personnalité. Mais c'est une image à moi. Si vous regardez à côté, vous voyez cette image-là. Alors, vous me connaissez, vous me voyez. Mais maintenant, quand on dit que Dieu a créé l'homme à son image, alors vous devez comprendre maintenant autre chose. Dieu a créé l'homme à son image. L'homme est une personnalité. Et Dieu aussi est une personnalité. Mais que vous pouvez voir à travers l'homme. Vous pouvez voir les attributs de Dieu à travers l'homme. Les attributs de Dieu qui sont dans l'homme sont parfaitement les attributs de Dieu qui sont en Dieu là-bas. Et la Bible dit que nous aussi nous devons être à l'image de Jésus-Christ. C'est-à-dire il y a des choses, des caractéristiques qui étaient en Jésus qui sont projetées dans l'homme maintenant. Et nous devenons l'image de Jésus. Mais nous sommes les individus. Et Jésus est là aussi une personnalité. Oh, c'est merveilleux, frère et soeur. Et Dieu s'est révélé comme ça dans les prophètes. Le prophète donc était l'image de Dieu. Mais en portion. Il manifestait une portion de Dieu. Donc, quand vous voyez Élie agir par cette portion-là, c'est exactement comme Dieu qui était là, qui était en train d'agir. Vous ne pouvez pas différencier ça. Mais néanmoins, c'est dans l'image. Mais maintenant, on nous dit que Jésus-Christ était l'image du Dieu invisible. Le Dieu invisible. On ne peut pas voir. On l'a vu dans la personne de Jésus-Christ. Donc, cette fois-ci, tous les attributs de Dieu. Tout ce qui est Dieu. Tout. Dieu les a projetés dans cet homme Jésus. C'est pourquoi Jésus est Dieu. Amen. Amen. Mais maintenant la Bible nous dit tout ce qui était en Jésus, il a déversé dans son église. Frère, il ne faut pas douter. Il ne faut même pas essayer de réfléchir. Nous sommes l'épouse de Jésus-Christ. Nous sommes l'image de Jésus. Mais la différence, c'est que nous sommes là. Jésus s'est déversé en nous. Mais Jésus est là. C'est pourquoi Paul l'a rencontré sur la route de Damas. Et
Il était dans la colonne de feu. Mais il était dans son église. Nous sommes la réflexion de Jésus-Christ. Il projette sur l'église ce qu'il est. Et si vous voulez voir Jésus, vous voyez ce qui se passe dans l'église. Mais quelle église? C'est seulement son épouse. Alléluia. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous ne voulons pas de ceci. Voilà, ça les chrétiens de l'Église. Oh, les ceci, les cela. Les mauvais. Oui, n'a pas la parole. C'est vous qui n'avez pas la parole. Parce que la parole se manifeste dans l'épouse. C'est l'épouse qui est le reflet de son mari. Nous pouvons être nombreux là-bas, beaucoup de femmes. Basi, beaucoup d'aller belle kuna. Mais ce ne sont pas toutes les femmes que vous reflétez votre mari. Kasi, basi nyo sote bakotali sa mobali na yo. Non. Tiens. Et frère Branham a dit. Bende Branham a dit. Quand nous allons sortir d'ici. Tango toko bimawa. Mais chaque femme va suivre son mari. Moisi, moko moko akola na mobali na yo. Si ce n'est pas ton mari, tu ne seras pas derrière lui. Soki a sa mobali noté, okola na simate. Vous devez refléter votre mari. Et Tengeli Otalisa Mobali Nayo. Amen. Amen. Alors Christ s'est déversé et Dieu s'est déversé dans Christ. Boye Christ, Nzambe a mis son paquet dans Christ. Christ était la plénitude de Dieu corporellement. Christ a zalaki mobimba ya Nzambe kati na nzoto. Quand Dieu était en Christ. Tango Nzambe a kati na Christ. Là aussi il n'y avait rien. Moi je ne me pose même pas cette question là. Je ne peux pas connaître Dieu. Mais William Branham dit, même en étant à Christ, il contrôlait tout le monde entier. Il contrôlait l'univers. Cette notion du ciel, c'est compliqué. C'est compliqué. Dieu reste Dieu. Nzambe atikali nzambe. Peu importe l'endroit où il se trouve. Ata aza na kwenini. Même s'il est dans ta maison. Ata akoti na ndako nayo. Il est Dieu. Ali nzambe. Qui est dans le monde entier. Ali na mokili mobimba. Laissez-vous poser des questions inutiles. Tika mituna pamba pamba wana. C'est le diable qui vient avec ça. Diable ndiye mutayaka nango. Nous ne sommes pas dans une école théologique. Biso tozana école ya koyekola nzambe te. Nous sommes dans le royaume de Dieu. Kwali kati na bokonji ya nzambe. Amen. Amen. Oh frère et sœur. Oh de mobali mwasi. Voyez seulement la parole. Dimaka kaliloba. Voyez en Dieu. Dimena nzambe. Oh mes bien-aimés. Oh balinga mio yangai. C'est Dieu qui est mort, voilà quoi. Nzambe nda kufaki na kulusu. Mais la Bible dit. Parce que Bible l'obi. C'est frère Branham qui l'a dit. Le Branham nda l'obi ango. Que quand Jésus était à Gethsemane. Et étant où est allé na Gethsemane. C'est lui que nous appelons Dieu. Yé obiso to bengi nzambe. Il a quitté. Atiki. Il a quitté, il est parti. Atiki abimi akei. Cette colonne de feu qui est venue en lui. Likozi na moto na yake ekapepa. Elle l'a laissé. Atiki. C'est pourquoi Jésus a crié, mais mon père, pourquoi tu m'as abandonné? Mais nous croyons aujourd'hui que c'est Dieu qui mourait à la croix. C'est Jéhovah qui a goûté la mort à la croix. Il y a des choses que l'homme, avec notre intelligence, ne peut pas comprendre. Maintenant, revenons à notre sujet. Tout ce qui était en Christ, cela se déversa dans son église. Retenez que Dieu avait un secret. Lui, il était un grand Dieu, un esprit éternel, surnaturel. Et il a créé le maçon image. Je ne sais pas ce que Dieu enviait dans l'homme. Lui aussi, dit, mais en tout cas, un jour, je dois devenir homme. Mais toi, tu es Dieu, tu es dans le ciel, glorieux là-bas. Moi, je suis sur la terre ici. Pourquoi tu veux devenir un homme?
C'est le secret qui était dans la pensée de Dieu. Yeah, on est sekele alaki na likarisi na nzambe. Moi aussi, en tout cas, je dois devenir homme. Oh frère. Oh ndeko. Dieu. Nzambe. Envie de devenir homme. Adolu la koma mutu. Il voulait être un avec l'homme. Alingaki akoma mo eloko moko na mutu. Et pour que vous receviez Dieu. Vous devez recevoir la semence de Dieu. La première chose que vous devez retenir, que c'est la semence que vous recevez que vous allez produire. Tu es venu à Christ. Tu es venu à la parole. On dit, tu ne produiras la parole que si tu as reçu la semence parole. Si tu n'as pas reçu la semence parole, tu enfanteras ce que toi tu as reçu. C'est un grand mystère. Tout le monde est ici disant qu'il a cru à la parole. Mais chacun doit savoir ce qu'il a cru. Oh frère et soeur, c'est merveilleux. Quand une femme reçoit une semence, une semence d'un homme, et que cette femme devient enceinte, elle est sûre qu'elle a une semence en elle. Écoutez bien. Yoka malam. Elle est sûre que la semence qui est en elle, ce n'est pas la semence animale. Elle est sûre que quand il va enfanter, il n'enfantera pas un cochon. Ça c'est frère Kolo. Oh frère Kolo. Que Dieu te bénisse richement. Nzamba pamulo mingi. Que Dieu soit loué. Oh Nzamba kumisama. Pour moi c'est un grand miracle. C'est une résurrection. Oh ezali c'est quoi? Oh merci Seigneur. Oh matonde Kolo. Quand une femme a une semence d'un homme, aucune pensée ne peut lui venir. Que je mettrai au monde un canard. Ça ne peut pas venir. Pourquoi? Parce qu'elle ne s'était pas accouplée à un canard. Je veux que vous compreniez ça parce que frère Madame me dit, on l'a lu ici plusieurs fois, le naturel est le type de spirituel. Cette femme ne voit pas la semence qui est en elle. Moi, elle ne sait pas si cet enfant sera roux, sera du thé noir ou sombre. Elle ne sait rien. Mais néanmoins, elle sait que cette semence donnera un homme. Un être humain. Parce qu'elle a été en contact avec un être humain. C'est pourquoi, frère et sœur, si tu es sûr ce matin, qu'en venant à ce message, c'est avec Christ que tu étais en contact. C'est avec la parole ouinte que tu étais en contact. C'est que tu as reçu la grossesse de la parole ouinte. Même si vous ne voyez pas encore la manifestation de la parole, continuez à croire que la parole qui est en vous produira la parole. Alléluia. Je ne cours pas. Hein? Je suis allé d'aller lentement. Et puis on va terminer, il n'y a pas de problème. Mais je veux que, si c'est possible, que chacun comprenne ce que Dieu a fait dans le naturel, c'est ce qu'il est en train de faire dans le spirituel. Si tu étais en contact avec une église,
Oh, cette église est une belle église. Oh, église de Kitoko. C'est une grande église. Lingomba ah, je vais me faire membre. Ah, nakoma mundimi. Tu auras la semence de l'église. Okokumba mumboto ecclesia. Et tu vas affronter l'église. Fais okobota lingomba. Pour toi, c'est l'église. Bona yo zo bona kali lingomba. C'est ce que toi tu as reçu. Yango yo zui. Oh, frère et sœur. Oh, de mobali mwasi. Que Dieu nous aide. Tikanda na sunga biso. Pour que nous sachions avec qui est-ce qu'on a été en contact. Est-ce que j'ai été en contact avec l'homme? Est-ce que la na alors là, je deviendrai le fanatique de cet homme-là. Parce que c'est lui, donc c'est lui qui me nourrit. Je suis l'homme. Tout ce que l'homme fera, alors c'est que moi je veux faire. Et je veux toujours demander, mais qu'est-ce qu'il a fait? Mais, parce que j'ai été en contact avec l'homme. Et je me repose sur l'homme. Et vous recevrez la semence de l'homme. Frère, nous sommes clairs. Vous devez suivre la conduite du Saint-Esprit. Ne regardez pas à l'homme qui vous parle. Quand un prédicateur monte ici, ne regardez même pas à lui. C'est comme ça que les gens ont reçu les semences des hommes. Ils admirent les hommes. Oh, celui-là vraiment, il prêche avec onction. Oh, yeah. Ah, celui-là vraiment, il a l'onction. Ah, celui-là vraiment, il a la connaissance. Ah, il a la alors, quelque chose de cet homme-là entre en lui. Et il devient fanatique cet homme sans le savoir. Et il reçoit l'esprit cet homme-là sans le savoir. Il reçoit la semence cet homme-là sans le savoir. Il suffit que cet homme-là bouge, lui aussi bouge. Parce qu'il a reçu quelque chose de cet homme-là. Mais celui qui a reçu la semence de Dieu, celui qui a reçu la semence de la parole, tant que la parole ne bouge pas, moi aussi je ne bougerai pas. Alléluia. Alléluia. Parce que j'ai reçu la semence de la parole. Il y a des gens des bien-aimés, Balingami, des années et des années, Bamboula na Bamboula, quand il sortait d'ici, Tababanako Bimawa, il tenait des déclarations, la parole est sortie. Babanako Lobakaka, ah, Lilobe Bimina Rigini. La parole est sortie. Lilobe Kei. Moi je me suis posé la question. Ngai, Namituna Kiming. La parole est sortie il y a peut-être 20 ans. Et le Gimbula Tukmi Bale, Lilobe Bima. Mais toi qui es sorti après 15 ans. Tu dis encore que la parole est sortie. Elle est restée où? Parce qu'elle est déjà sortie. Ce sont des aventures, frères et sœurs. Oh, bah, non, ce sont des aventures. Oh, aventure. Et demain, quand notre sortira ici, la parole est sortie. La parole va sortir combien de fois ici? Écoutez, frères et sœurs, la parole qui est ici, elle ne sortira pas. Que personne ne vous trompe. La parole qui est entrée ici, elle ne sortira jamais. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas à qui elle est incarnée. Je ne sais pas cette parole à qui elle est incarnée. Mais tant que le Seigneur Jésus ne vient pas, que personne ne vous trompe, qu'il soit évangéliste, qu'il soit pasteur, qu'il soit docteur, qu'il soit, je ne sais pas moi, apôtre, que c'est lui qui est l'incarnation de la parole. Comme ça, comme lui sort, alors il sort avec la parole. C'est ça la folie. Dans la bolema. Ne croyez pas à des choses comme ça. Kondima bolema boite.
Si vous voulez sortir, vous êtes libre. Vous êtes prédicateur, c'est bien. Vous pouvez aller commencer une église. Et prêcher la parole. Mais ne dites pas que la parole est sortie parce que toi tu es sorti. Parce que tu n'étais pas l'incarnation de la parole. Alléluia. Alléluia. Oh, gloire à Jésus-Christ. Oh, que Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Maintenant, Marie a reçu aussi une semence. Maria a zoagipe mon moto mako. Et Marie savait qu'elle avait reçu la semence et parole. Mais Maria iba kiyete a zoagi mon moto liloba. Elle savait que quand elle va enfanter, elle enfantera la parole. Iba kete tango akobota akobota liloba. Oh frères et sœurs, oh, bah, notre Dieu est merveilleux. Disons quelque chose dans l'exposé de cet âge. Je suis à la page 164. Oh, paragraphe 3. La parole de la promesse est venue à la Vierge Marie. Mais cette parole de la promesse, c'était que lui-même allait être manifesté. Lui-même est Dieu. C'est cette semence-là que Marie devait recevoir. Parce qu'il était écrit quelque part qu'une vierge concevra. Et nous savons que chaque parole de Dieu est une semence. Alors il faudra quelqu'un qui doit recevoir cette semence. Oh frère. Oh bandeko. Que le Seigneur nous aide. Dieu a été manifesté. Nzambe amoni samaki. À ce moment-là. Natangwana. Dieu lui-même a agi. Nzambe yeme ya salaki. Et il a accompli dans la Vierge. Be akokitsaki kati na ngondo. Sa propre parole de promesse. Liloba na yeme ya elaka. C'est un ange qui lui avait apporté le message. Et d'aller ange lumoko amemela ki esangu. Mais le message de l'ange était la parole de Dieu. Kasi sango ya angelu elaki liloba na nzambe. Ésaïe 9:5. Isaïe, à ce moment-là, il a accompli tout ce qui était écrit de lui. Parce qu'elle a accepté la parole qu'il lui avait donnée. Marie a enfanté la parole. Maria a botaki liloba. Parce qu'elle a dit, je suis la servante de l'Éternel. Qu'il me soit fait selon sa parole. Et dans la prédication, la balle, la semence n'hérite pas avec la balle. Au paragraphe 79, dit Marie, la véritable personne, Maria, motopenda solo, hors sexe, dit alobi, qu'il me soit fait selon ta parole. Voici ta servante. Et elle produisit. Que produisit-elle? Abotaki nini? Pas un homme sauvage. Abotaki moto nyamate. Pas une nation. Abotaki ekolo mokote. Mais elle produisit la parole. Kati abotaki liloba. Dieu lui-même est manifesté dans la chair. Nzambe yemoko amonisami kati na nzoto. La vraie semence de Dieu qui manifesta chaque promesse que Dieu fit dans la Bible. Sans lui, aucun homme ne peut vivre. Ce qui était, elle était la vraie semence. Amen. Amen. Oh frère et soeur. Et frère Bana me dit. Il a parlé d'une femme naturelle. Il a parlé de Marie. Maria. Et il dit qu'il en est de même de l'église. L'église doit recevoir une semence. Et dans chaque âge, tout ce que Dieu a promis, la parole promise par Dieu, est une semence pour cet âge-là. Et quand vous recevez exactement, justement, cette parole-là, vous recevez la parole de l'âge.
Vous recevez la semence de Dieu pour cet âge-là. Et ce que Dieu voudrait produire dans cet âge-là, vous le produirez certainement. Pourquoi? Parce que vous avez déjà reçu la semence. Quand une femme a reçu la semence, c'est terminé. On n'a rien à faire avec cette femme pour que cette semence puisse continuer à grandir. Même si vous l'isolez, elle va rester dans la forêt équatoriale. Elle a déjà reçu la semence. Elle va manifester cette semence. C'est pourquoi nous ne croyons pas. Et si je suis un élu, le diable va me séduire. Et diable sangai. Non, frère et soeur. Et la personne qui a reçu la semence pour cet âge ici. Oh frère. Oh, neko. Elle produira akobotaka les enfants bana de cet âge. Ya elekoyo. Frère. Bandek. Comprenez ce que le Saint-Esprit dit à l'église. Bon, ce sont les mots dans le monde chrétien. Frère Branham dit, Neko Branham Alobi, Dieu Nzambe, ne traite pas avec une église Asalaka, na église à mon côté, en tant qu'un groupe de personnes. Lokola et Tonga Mako ya Batoboite. Qui peut comprendre cette parole aujourd'hui? Nani le loi sur la liloboyo. Dieu ne traite pas avec l'assemblée chrétienne de Rigini. En tant que groupe d'hommes. Mais Dieu traite avec l'assemblée chrétienne de Rigini. En tant qu'individus qui sont dans cette église. C'est celui qui a reçu la semence qui produira la semence de Dieu. C'est pourquoi cette chose-là, oh, l'église est telle, l'église est telle, l'église est telle. C'est bien, on peut en parler, mais c'est trop bas. C'est bien, mais c'est enfantin, c'est bas. Nous devons nous élever dans les hauteurs. Et quand vous vous élevez dans l'auteur, vous regardez à toi et à la parole. Vous regardez là où vous êtes avec la parole. Quand nous allons nous séparer ici, n'est-ce pas chacun ira dans sa maison? Est-ce que toi tu viendras chez moi? Moi j'irai chez toi. Ce que tu vas faire chez toi là-bas, ça me regarde. Chacun a sa maison. Où est le problème? Nous venons ici pour communier autour de la parole. Bien que nous sortons ici, le programme que toi tu fais, tu ne vas pas tenir compte de moi. Tu ne vas pas m'inclure dans ton programme. Moi non plus, quand je fais mon programme, je ne te vois même pas. Pourquoi on ne peut pas comprendre ça? Que Dieu traite avec toi en tant qu'individu. Et tu dois être sûr que tu marches avec Dieu. Oh, frère et soeur. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Je vais lire quelque chose dans l'exposé de cet âge. Toujours à la page 164. Vous savez que ce que nous lisons là-bas, le Saint-Esprit, il a parlé à Frère Branham. Je vais vous lire ça. À la page 163. Un soir, alors que j'ai cherché le Seigneur, le Saint-Esprit me dit de prendre ma plume et écrire. Ce que nous sommes en train de dire ici, c'est une dictée du Saint-Esprit au prophète. Et
Ya Nzambe et pas Mosakoni. Ce n'est pas la parole d'un prédicateur. Et dans le baboté, il m'a boité. Il dit de prendre ma plume et d'écrire. Alobi nakamata ekomeli nangabela koma. Comme je saisissais ma plume, wana ezwa kinga ekomeli nangai. Est-ce que vous ne voyez pas ça, frères et sœurs? Mais ne voyons pas n'importe. Le prophète va prendre les plumes. Pour écrire ce que le Saint-Esprit va dire. Comme je saisissais ma plume pour écrire, son esprit me donna un message pour l'église. Molimo na ye, a pesinga sango moko pour l'église.